Yo les gens, c'est Zach. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour la suite de la carrière avec, euh, avec Lorient. On un attaque la deuxième euh, partie de saison. On est en 2034, les gars. Euh, ça se passe plutôt bien. Rosa. Oh, dommage. Ils ont perdu contre Monaco. Euh, seulement 1-0. Rosa qui a joué les 90. Euh, les 4... Hein Quoi Pourquoi Mais ben, comment ça, mon ref pourquoi il a full flèche vers le bas là Qu'est-ce que. What the fuck En plus, c'est des. Hein La dernière fois qu'on a regardé. Ouais, je comprends pas. Bref, allez. On va faire comme si on n'avait rien vu là. C'est Un peu inquiétant. Un peu inquiétant cette histoire. Euh, un petit peu inquiétant. Euh... Wow, ils ont pris 9-0 par City. Là, il a joué 90 minutes. Hein. Ils ont pris 9-0. Oh. Ils ont pris 9-0. Euh, lui, est... lui, il est chaud. Hein. Enfin, lui, on aurait dû le prendre aussi. Hein. En vrai, euh... qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort, le petit Carter euh, Lui aussi, on était dessus. Hein. Ils nous ont pris quand même pas mal de petits joueurs. Hein. Ils nous ont pris Pernin aussi, qui a pas marqué là. mais Ok, ok, ok. 9-0. Ok, ok. Ben, écoutez, c'est comme ça. Nous, on a un petit match de Coupe de France. Donc là, on va faire euh, on va faire quand même partiellement tourner. Quoique, 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 c'est quand C'est une Ligue 1. Et je me dis que de toute façon, là, c'est au prochain peut-être qu'on fera, qu fera tourner. Euh... Light, il va jouer du coup, vu que Masri est blessé. En vrai, en vrai, je pense que je vais laisser la team, en vrai. Hein. Finalement, je pense que je vais laisser la team et je vais faire jouer Jérémy Jouve. Tiens. On va faire jouer Jérémy Jouve. Est-ce que je laisse Al Salem ou est-ce que je mets... Euh... Ah, je vais mettre Chihachi aussi qui va jouer titulaire, là. Je te remets... En vrai, je pense que Rolio César, on finira par le vendre, les gars. Hein. Mais je vais chercher un gars. Ah, bah y a Rorace, il peut jouer. Euh... Parce que oui, du coup, oui. Moi, j'ai avancé de mon côté. Euh, le petit Rorace du coup les gars il, il débarque Il débarque, il débarque Mais j'ai un problème c'est que j'ai plus de place de, 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 de joueurs étrangers Donc je suis obligé de le prêter Donc là il va pouvoir jouer directement euh... Ah on a trop de joueurs étrangers euh... Tiens bah là je vais le mettre titulaire dans tous les cas Voilà qui joue aussi lui un petit peu euh, bah, C'est Moutinho Alors je vais mettre genre Zach Brown Et là normalement on est bon Là on est bon Hop c'est parti pour ce match. Du coup, au petit, coup au petit match de Coupe de France euh, contre euh, contre Caen. Quand même, hein, c'est pas non plus le, le plus simple. On est à la maison, mais bon, on devrait, euh, voilà, on devrait, on devrait s'en sortir quand même euh, assez facilement. J'ai envie de te dire normalement, 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 tout devrait bien se passer. Allez les gars, allez les gars, hein, pas de bêtises. On est euh, le tenant du titre hein, de, de cette Coupe de France. On a de nouveau envie d'aller d'aller loin. Bien joué Al salem qui qui ce ballon. Avec Ferreira et Parlikov. Parlikov qui envoie un ballon un peu au pif là. C'est un peu, un peu nul ce qu'il a fait. Un petit peu nul, mais ouais. Je pense que là, ce qu'on va, qu va aller chercher, c'est ouais, peut-être un, un, un petit 10. Euh, un jeune, quoi. J'aimerais bien qu'on en sorte un du centre de formation qui pourrait jouer euh, les, les remplaçants. Et je pense qu'un rouleau César, il va, il va falloir le vendre. Hein. Voilà récupération. Nelson, Nelson! Oui, Nelson qui finit. Ça fait un 0. Super. Bien joué, les gars. Très, très bien joué. Euh, on commence en beauté. 5 minutes de jeu, un zéro. C'est bien. C'est tout ce qu'on veut dans tous les cas. Euh, Est-ce que euh, Rennes, ils ont gagné au péneau ou pas Attendez. Je n'ai même pas eu le temps de voir vraiment. Euh, mais Rennes, c'était chaud. Je vais voir si Paris ne veulent pas se faire éliminer tôt. Parce que l'année dernière, du coup, Paris s'était fait éliminer assez tôt. Hein. Euh, assez tôt. Et c'est ce qui nous avait un peu ouvert les portes. Allez, Al-Salem, qu'est-ce qu'il va nous faire, Al-Salem, ici va jouer derrière intelligemment, on le retrouve ici, la passe jusqu'à Parlikov. Jérémy Jouve, qui va trouver Iniesta, qui centre en première intention sur la, la tête de Nelson, qui va passer euh, malheureusement au-dessus. Au-dessus, au-dessus. Euh, du coup, alors attendez, ah, Rennes a perdu, je crois. Hein. Ah, ils ont manqué deux pénaux, donc ouais, hein. Rennes a perdu. Hein. Rennes est éliminé. Rennes est éliminé de, de la Coupe de France, déjà, bah, ça fait un concurrent. Oh, ça, ça casse les couilles. Bah, Roulio César, finalement, il va jouer. Putain, ça casse les couilles la blessure rouge de Parlikov. Ah, J'aurais pas dû le faire jouer aussi. Hein. C'est même ma, ma faute, les gars. C'est un match. Euh... C'est un match normalement euh, facilement à notre hauteur. Parlikov qui, qui, bah, qui risque de manquer un petit peu. Bah, après, euh, on va faire jouer Roulio César sur le côté. Hein. Je pense qu'il a les, les capacités aussi de, de faire mal. les Jacob. Avec rorace Le petit rorace les gars. César pour Ferreira, Ferreira le centre, le gardien qui se chie dessus. En même temps, il y a faute derrière, donc c'est un penalty. C'est Nelson qui va s'en charger lui-même. Allez, mon petit Nelson. C'est dedans, bien joué, le doublé. C'est bien c'est bien pour ses stats, 14e but euh, cette saison pour Nelson. Très très bien, nickel. Non, je suis content, les, les, les débuts sont bons. Les débuts sont bons et puis surtout qu'on enchaîne, euh, je crois qu'on est sur euh, quand même presque maintenant 10 victoires, euh, toutes compétitions confondues euh, d'affilée, donc c'est plutôt pas mal. Il est hors-jeu, il n'était pas hors-jeu, il n'était pas hors-jeu, ah si, il était hors-jeu, il était hors-jeu, ok très bien. Très bien, très bien, très bien, euh, j'avoue que ouais, les blessures un peu reloues, hein. chiachi ah, qui va envoyer un long ballon, la tête, ouais bon, euh, pas vraiment inquiétant ça pour Geyer. A vraiment été inquiété par, par, par ce ballon. s'est dégagé loin devant, récupéré par Iniesta, Laïd peut-être, Chiachi uh, pour, uh, pour Nelson. Ah, je crois on s'est pas trop compris là, on s'est un petit peu gêné en même temps. Et ça part du côté Canet uh, avec Shibozo. Shibozo, non ça va être récupéré par Jacob et Shihashi pour peut-être le contre avec Ludovic Laït. Allez mon petit Ludo, vas-y mon petit Ludo pour Chiachi, Iniesta. Iniesta qui va centrer. Oh, bah, Julio César qui était tout seul, qui va aller marquer. Parfait. Parfait, parfait, parfait pour Julio César. Let's go. Let's go, let's go. Et belle passe dé de, de Monsieur Iniesta. Monsieur Iniesta, euh, on va arriver à la mi-temps sur ce score de euh, 3-0. Donc c'est très bien. On va aller s'imposer. On va aller s'imposer aujourd'hui. On va se qualifier pour le prochain tour sans trop de problèmes, les gars. Euh, C'est tout ce qu'on voulait faire avec nos, nos petits l'orienté aujourd'hui. On va pouvoir faire sortir quelques joueurs. Euh, allez chiachi, vas-y garçon. Ouais, la hit. Laït, hit, qu'est-ce qu'il va nous faire hein, avec Iniesta Allez, jouer un peu plus rapidement devant les gars. Allez, on, aime bien, on aime bien passer par derrière quand même. Hein. On aime bien repasser par derrière. La hit, il avait fait un peu n'importe quoi, mais on a toujours le ballon. Iniesta, Jérémy joue, ou Oula, qu'est-ce qu'il fait là, Ludo mon petit Ludo. Là par contre j'aime bien la bonne récupération de balles. Le centre vers Nelson qui va aller planter un triplé. Le triplé de, de Nelson. Très bien. Et Light qui va continuer de, de faire des belles stats. Hein, parce qu'il ne joue pas beaucoup. Et il y a des belles stats quand même. Il y a des belles stats pour le gamin. Euh, 60ème. Euh, allez, je vais pas prendre de risque. Je vais faire rentrer. Euh... Ah, il peut jouer là, Yensen ah bah, Tu sais quoi, je vais rentrer Jensen en 10. Euh, Laïd, j'ai pas vraiment quelqu'un pour le remplacer malheureusement. On va pas prendre de risque, je vais sortir, euh, euh, sortir un peu les, les joueurs phares. Voilà. Hop, je fais rentrer Bogicevic aussi qui joue un peu en Coupe de France. J'aurais presque même dû le mettre titulaire en vrai, je suis en train de me dire. Euh, ok, comme ça, voilà, il me reste euh, un petit changement. Un petit changement. Alley qui récupère ce ballon avec Rorace. Pour Chiachi. Ah, j'aime pas, il s'est fait bouger Chiachi ici. OK, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que ça <coughs> ça se fait pas l'attaquant qui, qui allait presser. Je me suis dit il y a un monde où le gardien il décide de pas sortir. Allez Rolio César, c'est bien ce que tu fais, le centre vers la Enfin, ah, c'est nul ça. Ça c'est nul ça. Ça ça fait euh... c'est pas dangereux, ça fait pas peur. Ça fait pas peur, ça fait pas peur. En tout cas, on va quand même féliciter la team. Hein. Gros match aujourd'hui, bien joué. 4-0 pour continuer d'être euh, bah, en confiance. C'est parfait. C'est juste parfait. Attention à Brobet. C'est pas l'ancien de l'Ajax, lui d'ailleurs, Brobet Avec oh, oh là 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 là, double parade. La double parade insane. Et derrière, ça peut partir en contre avec Jensen. Rolio César. Allez, allez, allez peut-être donner quelque chose, Jérémy Jouve. Non, ça repart de l'autre côté encore une fois. Ah ben dis donc les gars, notre équipe elle est peut-être un peu trop coupée en deux là. Et Fabrique, il va aller faire... Petite faute, il va sûrement prendre son petit carton jaune. Euh, dernier changement, bah voilà, Jérémy Jouve. Je vais remettre Hugo Memo. Il revenait de blessure, donc euh, fallait il fallait qu'il reprenne un peu de temps de jeu. là qui va tirer ce corner. Le ballon qui traîne. La tête de Rora sur la barre, dommage. Ça aurait été bien de voir Rora se marquer son premier but. Euh... Directement dès son premier match. Let's go, en tout cas, les gars, on est contents. On est contents, on est contents. Ouais, Fabri qui récupère, c'est bien. Rorace. As à dire qu'on a une équipe si jeune là. Il y a que des petits gars de 18 ans. Bogis 8, c'est 18 ans. Lui, c'est 21. Chiachi, c'est 18 ans. Fabri, c'est 18 ans. Euh, Laïd, c'est 19, je crois. Il a pas touché le ballon là. Euh, du coup, Rorace Ferré là aussi, c'est 18 ans qui va toucher le ballon ici. Rolio César, c'est un peu plus vieux. Oui, oui. Oh là, quel but. Oh, oh. oh quel but de Yensen. J'allais dire dommage, mais elle est dedans. Elle est dedans cette frappe insane de Yensen. On a envie de le revoir, ce but, parce qu'il a envoyé un missile en, en équerre rentrante, quasiment. Et Rolio César qui. Euh... Ouais, poteau rentrant, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Rolio César qui fait euh, bah, une belle rentrée, du coup, hein, vu qu'il a marqué, il a fait sa petite passe D. Et du coup, bah, nickel, 5-0. Parfait. Là, on peut juste être très content. On passe au prochain tour. Et d'ailleurs, euh, bah, ce sera ce, ce match-là qui va arriver direct, hein, je crois. Hein. Il me semble que c'est comme ça. Ok, ok, ok. Paradikov, du coup. Ah, il va être absent à moi. Il va être absent à moi. C'est dommage. Rorace a fait ses débuts, mais Rorace doit être prêté. Rorace doit être prêté, les gars. Malheureusement, euh, bah, je suis obligé de le prêter, ouais. On a aidé aussi, qui est du coup euh, parti en Coupe d'Afrique des Nations. Il est parti à la Cannes. Euh, ok, ça c'est good. Ah oui, on est en. Non, on est en début de mercato. On est en début de mercato. On a une demande de prêt pour Achille Hoffman. Euh, moi, je veux juste. Je suis chaud de le prêter, mais il n'y a pas de. Ah, je ne je veux pas le vendre. Le Breton, j'accepte. Swissy, j'accepte aussi. Que celui-ci, je sais pas pourquoi, hein, mais on le joue, Enfin, je sais pas pourquoi j'en sais rien, mais euh, 5 étoiles apparemment, donc peut-être gros potentiel. Hein. Euh, et oui, c'est vrai qu'il y avait lui. Hein. Ah bah tiens, en 10 remplaçant justement. Ah justement, je me dis que s'il a pu au César, pourquoi pas prendre le petit Félix. Moi, euh... bon, je vais attendre. On, on, on va voir, on va voir. Peut-être qu'il y a un petit gars qui va sortir là. On va attendre, on va attendre les pépites, tout ça. Le breton, il est prêté, c'est fait. Euh, on espère qu'il va jouer. Celui-ci, c'est fait aussi. On espère que ça va jouer, que ça va bien se passer pour lui. sont prêt. Ok, ok. Fabri qui sera suspendu par Likov, sera absent contre City. Ça c'est la mauvaise nouvelle. Euh, on espère que Julio César il sera en forme et prêt à en découdre. Euh, recrutement de Joker, ok, on s'en fout des recrutements de Joker. Nous, on veut avancer. On veut avancer, ouais, je pense que oui, il y aura le, le deuxième match de Coupe de France, là, juste juste avant City. Et City, ce sera le, le dernier match ce, de cet épisode. Euh, du coup, ouais, en gros potentiel qu'on qu on prête, on a on Amine Suissi, apparemment 5 étoiles, qui a quand même des stats intéressantes. Il a 16 ans, hein, il est tout jeune. On a donc évidemment Badawi, Badawi qui a 18 ans. Euh, on a le Breton qui a toujours euh, gros potentiel, mais le problème c'est que lui il a déjà 19 ans et il a enchaîné les blessures, il sa carrière elle était déjà morte. Euh, et on a Rossa du coup aussi, mais effrayant là, j effrayant de voir toutes ces flèches, euh, j'ai jamais vu ça, je comprends pas pourquoi, c'est pas comme s'il avait été blessé ou quoi que ce soit. J'ai pas trop compris, mais écoutez, 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 c'est comme ça, dixième tour, voilà du tirage de la Coupe de France, on va jouer contre Queville, Rouen, Métropole. Ils sont où Ils sont en Ligue 2, ils sont en National 2. Là, on fera full tournée. Surtout que ce sera juste avant City, trois jours avant City. Là, on fera full, full, full tournée. Euh, sans problème. Sans problème, sans problème. On fera ça, les gars. Euh, Matchs internationaux. Ça a perdu contre l'Algérie euh, pour, pour, pour le Nigeria. Ok. Ok, 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 ok. Euh, C'est quand, du coup C'est le 14. Donc là, on a deux semaines sans match. Bon, C'est comme si on était en train international, internationale. Hein. On a 10 jours du coup maintenant sans match. Ok, bah, on va voir, on va voir un peu ce qui se passe. Est-ce qu'on aura des offres C'est vrai que ça parlait de Masri. Hein. Masserie, ça parlait de, de Parlikoff aussi. Le Paris Saint-Germain qui était sur Parlikoff. Euh, Manchester United qui était sur Masri. Peut-être qu'il va falloir un moment qu'on euh, offre de l'Inter pour Igor Meglich. Ouais bah écoute. Euh... Non, 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 en vrai je veux garder mes jeunes, hein, mais dans tous les cas, c'est pas... Voilà quoi. Bon, Masri qui reprend entraînement complet, c'est assez bien. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est que oui, euh, on s'en fout un petit peu quoi. Je veux dire, euh, euh, je veux le garder quoi. Je veux le garder pour pour mes jeunes, même s'il a l'air de pas avoir un gros potentiel de ce qu'on nous dit. Euh, bon, euh, c'est bon, j'ai accepté assez d'offres pour Hoffman là. Il part en prêt, il fait pas chier. Toi, tu restes à domicile, hein, euh, Pellegrini. Tu me, tu ne me contamines pas mon vestiaire. Euh, tu seras bien gentil, ferella qui s'entraîne très bien. ferella il avait quoi comme euh, déterminé en personnalité. En tout cas, il s'entraîne très très bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Martinez, lui, il avait quoi Il avait euh, motivé. Mais il s'entraîne aussi super bien. Il a, il, il a que 20 ans. Hein. Yansen, lui, a, a 20. Il a que 20 ans aussi, Yansen. j'en hein. aurais fait mon titulaire, les gars. Hein. S'il avait plus de potentiel, je sais qu'il est à peu près à la limite là. Hein. S'il avait eu un plus gros potentiel. On aurait fait le tire parce qu'il a quand même des stats de, de fou de fou furieux. Euh, du coup, ça fait quand même un remplaçant mais de, de méga supralux. luxe. En plus, il peut jouer 10, il peut jouer buteur. Donc, il est vraiment euh, vraiment très très intéressant. Et euh, du coup, ça fait un super remplaçant, super remplaçant qui dépanne très très bien. Ah, ça y est, il rejoue 90 minutes là. Merci. Enfin, vous me refaites jouer Badawi. Oh oui, il a des flèches partout. Oui, oui, oui. Technique 17, je crois, il vient de monter. Hein. Marquage 13, taxe 13, ouais, placement 13. C'est pas mal, mais il monte partout en même temps. Du coup, il monte en dribble. Il monte. Il monte quasiment de partout. Le physique commence à être bien intéressant. Ah, peut-être qu'après sa. Ça... Ah, peut-être qu'après sa ça, ça saison pleine du côté de, 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 de la PL, peut-être. Euh... Peut peut-être, peut-être, peut-être qu'il aura une place à jouer. Parce qu'il va, il va commencer à, à peu près à avoir le même niveau. Là, il n'a pas marqué Rosa. Allez, Rosa, il faut que tu continues de marquer, toi. Il monte juste en coup franc. Faut que tu continues de marquer, mon petit Rosa. Mon petit Rosa. Euh, Hoffman prêté à Séville, Voilà, c'est fait. Alors, lui, il fallait le prêter parce que du coup, euh, il commençait à pleurer de pas jouer. Et euh, vu qu'il y a Ferrela, il y a, a pas Iniesta, il y a qui, il, il y a trop de monde devant lui, Hoffman, maintenant. Donc, je vais le prêter. Euh, et peut-être que l'année prochaine, on le vendra. Euh, on verra. On verra, on verra. Parce que du coup, là, oui, j'avais pas mal d'offres de, de prêt, mais avec des options d'achat aussi à 6 millions. Euh, peut-être pas déconner, quoi. Je ne vais pas le vendre à 6 millions. Il vaut quand même un peu plus que ça, Hoffman. Il y a une cote quand même un peu plus, euh, un peu plus intéressante. Hein. Clairement, clairement, clairement. Euh, on a quoi encore euh, l'Inter qui revient pour Igor Meglitch mais non. Rollio César. Euh, bah, très très bon, Rulio César. Hein. Bah, très, très, très bon, il n'y a rien à dire. Euh, Martinez, boom. Bah, on l'a regardé juste avant. Incroyable. Euh, trop fort. Voilà, Martinez. Euh, Martinez, mais ah, bah, Du coup, maintenant on va en avoir trois quoi. Je vais avoir Martinez, Roras. Il y a Martin aussi, hein. C'est vrai, il joue 10, lui aussi. Hein. Il coûte un peu cher. C'est vrai qu'il coûte un peu cher. Mais en soi, euh, bon, il a déjà 18 ans. Ouais, c'est vrai qu'il aurait, aurait pu avoir Martin. Hein. Martin, euh, ouais, ouais, ouais. Hein. Il me fait penser un peu à, comment il s'appelle, à, à Augustin Hussein, hein, au niveau des stats. Il y avait un peu des grosses finitions et tout, il manque un peu de dribble. Mais euh, Ismaël Martin, pour une vingtaine de millions, ça pourrait... Ça fait un peu cher le remplaçant, il est vrai, mais, euh... mais bon, les gars, j'ai 200 millions de budget, il y a un moment. À un moment, les gars, il faut peut-être peut y aller. Il y a un moment, il faut se dire qu'il faut qu'on y aille. Hein. Sinon, euh... Sinon, ça ne va... Ça va pas le faire. Euh... Ok. As les matchs qui s'enchaînent, ils vont être très compliqués. Hein. Surtout une 1 très déterminant pour la Ligue 1. Light Laït, j'ai l'impression qu'il progresse de furieux. Hein. Vraiment, euh... ça, ça me fait super plaisir. Ça me fait super plaisir et je pense que ce mec-là, il va pouvoir... Euh, bah si jamais, hein, si jamais on a une offre. Euh, si jamais on a une, on a une offre, euh, comment dire euh, Vraiment irre, irrefusable. Si je puis dire. Euh, de, sur Masserie, bah je pense que Laït sera son remplaçant légitime. Même si du coup... Euh, on n'est pas sur les mêmes niveaux. Même si pour l'instant, en vrai, il me fait une très belle saison, Laït. Termes de stats, euh, c'est vraiment pas mal du tout. Hein. C'est vraiment pas mal du tout. Tac-tac euh, tac ok. À le niveau pour faire partie de l'équipe. Ah ouais, on me dit ça, hein. Là pour eux, bah, bah oui, il a déjà le niveau pour faire partie de l'équipe. Hein. Et lui, pour le coup, euh, il vient de chez nous. Et ça, c'est beau. Après, moi je suis gourmand, les gars, j'aimerais trop un petit gars de 16 ans qui a déjà le niveau, tu vois. Genre un, un Al Salem. Al-Salem, mais qui sort de notre centre de formation, les gars. Alors, peut-être pas au même poste maintenant, parce qu'Al-Salem, il est vraiment trop fort. Mais je sais pas, moi. Euh, un, 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 peut-être un... Ouais, un c'est compliqué, parce qu'il y a Paris Coff et tout. Mais s'il part, un petit ailier monstrueux, là, qui est déjà super rapide, gros dribble. Bam À 16 piges, tu le mets titulaire. C'est un crack de ton club et tout. Euh, pourrait dépasser un peu le niveau de Maximovic, Jérémy Jouve. Ouais, je suis pas sûr, hein. Euh, peut devenir un très très grand joueur. Pourrait dépasser un peu le niveau. Je sais pas pourquoi on le compare à Nelson. Et Rorace pourrait devenir meilleur que Nicolas Jacob. Peut devenir un très de toute façon. Quand on me dit très très grand joueur, les gars, je sais que ça veut dire qu'ils ont un potentiel de baiser. Euh, ok, 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 ok. Donc Roras euh... sera peut-être Jacob Rorace du coup. Là, ah, je sais pas, les gars, il y a Martinez, il y a trop de trucs. Comment on va faire Comment on va faire pour mettre tout le monde dans cette équipe là Je ne sais pas. Mais là, c'est vrai qu'on a pris des très, très, très gros craques. scène hommage. Comment ça se passe pour lui à Atletico, là hein 16 matchs, 8 buts, 3 passes, 2. Ça joue tranquillement, quoi. Ça joue tranquillement pour le petit. Euh, OK. Eh bien, écoutez, maintenant, c'est... Euh, T'as l'Inter qui revient encore. À... Ils le veulent, apparemment, le, le, le petit gars. Ils le veulent, ils le veulent. Nous, on va donc féliciter encore Ferreira hein, qui fait des entraînements de fou. Très très bien, bah, il va jouer aujourd'hui. Là on fait full tournée. C'est simple, je fais full tournée, à part qu'on du coup, parce que je crois qu'en plus Pellegrini il est, euh, il est malade. Donc il va même pas pouvoir jouer, j'aurais mis Pellegrini hein, carrément. Mais, euh, mais ok. Ok, ok, ok. On fait full tournée ici. Et puis après Manchester City les gars. Hein. Je me demande même si je ne vais pas passer le match. Je me demande même, normalement on devrait gagner quand même assez largement. Euh, je vais sûrement passer le match. Alors, déjà, comment on fait Rulio César, il va jouer ici. Bah, non, il va jouer là, en fait. Euh, Moutinho, hop. Ah, je vais peut-être avoir trop d'étrangers, par contre. Euh, ça, ça peut être un petit problème. Euh, Martinez. Donc, Parnikov, il est blessé. Daniel Ede, il est pas là. Moutinho, Rulio César. Euh, Laït, ici, je mets Jensen. Jérémy Jouve, euh, bah, je vais le laisser. Chiachi, je le laisse. Ferella je le laisse. Rora, je laisse. Je mets Bogicevic avec. Euh, Paco Niesta, je mets... Euh... Ah Matteo Fabri, il est suspendu. Putain, fais chier. Mm -hmm. Et du coup, le gardien, il est bien toujours, euh, toujours malade. Merde Et vous, vous jouez à quel poste là Lui, il joue quoi C'est quoi son poste? C'est milieu, ok. Et Viala, c'est BU. Bon, casser les couilles. Vous ne servez à rien euh, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, ben bah, on est bien embêté. Hein. Je vais devoir laisser Paco Iniesta. Hein. Je vais devoir laisser Paco Iniesta. Euh... Ouais. ouais, 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 ouais. Bah écoutez, je vais faire résultat direct. Normalement, on va gagner. Hein. Ah merde, on a Moutinho, on a chiachi 1, 2, 3, 4. Ah, c'est Al-Salem. Bah du coup, écoute, je mets Vial à la place d'Al-Salem et du coup, hop, résultat direct. Bam, c'est parti, voyons voir ce qui se passe. Est-ce qu'on va s'imposer aujourd'hui contre Quevilly euh, j'espère quand même. J'espère quand même qu'on va pas déconner. 9-0, voilà. 9-0, triplé de la hit, Le doublé de Chiashi, Yensen, Moutinho, Rulio César. Euh, allez, on va voir les buts quand même. On va aller voir les buts quand même, histoire de. <coughs> histoire de se faire plaisir quand même de voir les buts. Ça a gagné 9-0, ça s'est fait plaisir. Yensen uh, a été très bon. Voyons, voir Alors, un peu les buts. Est-ce qu'il y a eu des beaux buts Yensen, Moutinho, belle passe pour Laït. La euh... Du coup, Laït a bien triplé. Non, il va avoir des stats à la fin de la saison. Là, ok, c'est Laït qui récupère ce ballon. Laït, boum, il y va tout seul. Et il finit par marquer. Let's go. C'était déjà un doublé pour lui. Derrière sur Corner. Ça va revenir. Et ça revient sur Rulio César avec un peu de réussite. Ça fait 3Z. Rulio César chihachi Yensen, voilà, passe, super appel de Shiashi, la finition de notre petit Shiashi, notre petit japonais national, à Moutinho qui ouvre pour l'Aït, oh, c'est une belle passe ça, les belle finition de la part de Shiashi, très bien, donc l'Aït qui, qui, qui enchaîne les passes D aussi, donc c'est fou, l'Aït, Iniesta, Paco, Iniesta, pour l'Aït, hop là, le triplé ici, avec Iniesta qui fait une passe D aussi, voilà, du coup ça fait les stats de tout le monde, à Yensen, Moutinho, ah, J'aime bien quand il fait le petit crochet pour rentrer à l'intérieur. Là, c'est beau ça. C'est beau et fini tranquillement. Ensuite, Laït, il nous a fait une passe D encore, Laït. Il nous a fait une passe D pour Jensen. Donc parfait. Laït, gros, 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 gros match. Aïe, Masri, il est rentré en cours de jeu. Écoute, c'est pas trop mal. Jacob aussi est rentré en cours de jeu. Et un petit ballon de merde. Et le but de Nelson. Le but de Nelson, voilà, ça a fait un peu rentrer. Du coup, Laït, effectivement, deux buts, trois passes D. Euh, les stats de folle, les stats folles pour la hit, hein, si, on regarde, euh, si on regarde ces stats, les gars, cette saison, c'est 10 buts et 9 passes D, du coup. Hein, 10 buts et 9 passes D avec 6 matchs titulaires et 19, euh, 19 remplacements. C'est propre. Oh, ils ont gagné contre Newcastle, let's go Il a joué 90 minutes. Est-ce que Hul peut, peut essayer de s'en sortir avec cette victoire Ils sont toujours derniers, ouais, alors, je pense que c'est terminado pour eux. Hein. Je pense que c'est terminado. Euh, ok, tac-tac, Iniesta des grands jours. 3 passes décisives pour Iniesta. Et du coup, lui aussi, il va faire ses. Il est, euh, il est à 9 passes décisives, quand même. 9 passes décisives. Ah, c'est dommage pour Paradikov, du coup, qui s'est blessé. Parce que c'est vrai que lui, il avait déjà fait, je crois, 13 passes D. C'est assez énorme. Le record, c'est. 19 toute compétition confondue. Il allait tout péter sur les passes D. Et là, il s'est blessé. Chiashi qui progresse de manière satisfaisante. J'avoue qu'il évolue euh, de baiser, les gars. Chiashi. Euh... What a monster! Bah, je pense que l'année prochaine, il est titulaire. Hein. Je vous le dis, en plus, ouais, il est perfectionniste et tout. Donc, je, je, je savais que c'était free avec lui. Hein. C'était free avec lui. Euh, le problème, c'est que je vais devoir vendre Maximovic, tu vois. Parce qu'il ne va jamais accepter d'être euh, un simple remplaçant. Et en plus, il a un niveau de baiser, Maximovic, surtout qu'il me fait une saison de baiser. C'est un peu compliqué. Un peu compliqué à gérer tout ça. Bon, les gars, on va terminer cet épisode avec un match euh, pas des moindres. Manchester City qui va, qui va arriver devant nous. Manchester City les gars. Euh, ok, 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 ok. Venez Manchester City, venez, venez. Euh, on va retrouver encore Pernin. Euh, S'il joue en tout cas. S'il est disponible. Conseil contre City. Vous ne vous inquiétez pas, je vais remettre la team en légende. Euh, tac, tac. On y va. Euh, et Moutinho qui se blesse. Bon, vaut mieux que ce soit lui que, que quelqu'un d'autre. Euh, dans tous les cas, je voulais faire jouer Julio César. Ça va être le cas. Supervision terminée, c'est qui Marcos Augusto, ouais, non, lui, lui ne m'intéresse plus. Euh, tirage au sort, on va jouer contre Guingamp. Contre Guingamp, 11 e tour de Coupe de France. Très bien. Ils ont sorti Rennes quand même. Et inscription euh, pour la suite de la Ligue des Champions. Euh, bah, je pense que je peux mettre Horace. Hein. Je pense que je peux mettre Horace. Il pourra peut-être jouer en Ligue des Champions, du coup. Le problème, c'est que là, il n'y a que des gros matchs, quoi. Euh, eux ils ont pas besoin d'être enregistrés. Rosa, Viola, tout ça ça n'a pas besoin d'être enregistré donc on est bon. Comme ça il est enregistré en Ligue des Champions, peut-être qu'il peut jouer, mais en Ligue 1, je ne peux pas l'enregistrer en Ligue 1. Donc je vais peut-être le faire jouer là contre City. Bon, il vient déjà de jouer, mais je suis en train de me dire est-ce que je ne le fais pas jouer contre City bon, ben, S'il si, si peut, je vais peut-être le faire jouer. Enfin, quoi que. Il jouera contre Milan, je pense. Ouais je vous raconte. Parce qu'il a le niveau, hein, il a déjà le niveau, hein, c'est pas comme si c'était un petit, une petite merguez. Hein. Euh, ouais, je pense qu'il va jouer. Hein. Les gars, je vais le faire jouer. Hein. On va reposer. Euh, on va reposer Jacob. C'est Martinez qui va jouer là. Moutinho, euh, c'est Rulio César qui va jouer sur le côté. Et là, on va remettre la team du coup, avec Al Salem. Avec euh, Parlikov qui va déjà bientôt revenir, donc ça c'est cool. Euh, Jensen, on va remettre Nelson, évidemment. Au lieu César, donc Al Salem, Laït, on va quand même remettre Masri, hein, faut pas déconner. Jérémy Jou, qui va faire jouer Goumémo sur ce match. Chiashi, je t'aime de tout mon cœur, mais on va quand même mettre Maximovic. Ferrela, on va remettre Jorskir. Uh, Rora, j'ai dit que je le laissais avec Martinez. Paco Iniesta, il est un peu léger là. Hein. On va le faire jouer. On va faire jouer Fabri. Il est un petit peu fatigué et euh, on peut faire ça. Et Parlikov sur le banc. Ok! Match contre City, match qui va être très 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 compliqué évidemment. Évidemment, évidemment, ça va être euh, bah, même quasiment impossible. Hein, mais bon, on va essayer de faire de notre mieux contre Manchester City. Il y aura Erling Haaland toujours là. Ils font pas jouer... Euh... Il est peut-être blessé. En tout cas, il n'est pas... pas sur la feuille de match aujourd'hui. Est-ce euh, qu'on va pouvoir continuer à enchaîner nos victoires C'est vrai que ça fait longtemps qu'on enchaîne des victoires, mais là... Là, évidemment, l'adversité est bien, est bien plus relevée. Et puis, euh, surtout, que ça peut nous faire perdre notre, euh, notre place dans, dans le top 8. Hein. Parce que pour l'instant, on est troisième. C'est quand même assez fou. Troisième, euh, c'est très bien. Maintenant, est-ce qu'on est capable de faire quelque chose contre qu City? J'avoue qu'un petit match nul serait incroyable. Bon, une victoire, évidemment, mais un match nul serait incroyable. On les a déjà battus, hein On les a déjà battus en phase de poule. Ce ne serait pas une première. On va être récupéré ça par Fabre bien joué. Masri, Masri, la frappe de Masri et le but de Jade Masri. Oui, mon petit Jade, un 0 pour Lorient. ah oh, ça c'est beau, ça. J'aime bien dans les grands matchs. J'aime bien dans les grands matchs quand on. Alors, c'est pas fini, dire, quand on répond présent. Mais en tout cas, les 20 premières minutes sont bonnes. Jade Masri, superbe frappe ici qui va tromper Trubin. Ça fait 1-0. Et voilà pourquoi aussi. Euh, voilà, Jade Masri, les gars, c'est quand même des stats de, de, de fouet. Hein. 18 d'appel de balle, 17 de, 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 de dribble, 16 de finition. Le physique le physique qu'il a, les gars, c'est une dinguerie. Hein. Allez, Masri qui va revenir, qui centre au deuxième poteau vers Maximovic. Oh, il y a faute Il y a faute, il y a faute, il y a faute. Il va y avoir un péno. C'est qui qui a fait la faute ah, Il va aller voir. Attendez, c'est peut-être pas sûr. Il va aller voir à la va. Il va aller voir à la va. Est-ce qu'on va offrir un penalty à Lorient J'espère que oui. Ben, si bon. Généralement, nous on se fait baiser là-dessus. Hein. L'arbitre, penalty accordé. Le penalty est accordé. C'est donc euh, Nelson qui va s'en charger. Allez Nelson pour mener 2-0 face à City. Allez Nelson pour mener 2-0 face à City. Non, Nelson, tu putes ta grand-mère. Oh non Nelson. Ah la loose, la loose de Nelson. Oh et derrière Horace, qui était pas loin de marquer. Putain, fais chier. J'ai le démon. J'ai le démon les gars. J'ai le démon. Euh... Oh, je continue à vous féliciter, Attends, On pouvait mener 2-0, 2-0. C'était bien de mener 2-0. Putain, Nelson, tu fais chier. Tu fais chier, tu fais chier. Quoi. Deux buts d'avant, ce n'était pas deux buts de trop. Hein. Clairement pas. En tout cas, la première mi-temps, elle est très bonne. Euh... Maintenant, il faut... faut continuer comme ça. Faut continuer comme ça, évidemment. Ah, il y a Rulio César, il est cramé. Ben, je ne sais pas qui je vais faire rentrer du coup. Hein, parce que. Oula, attention, oui, parce qu'il y a un pressing là. Aïe, 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 ouais, on va rendre le ballon. On va rendre le ballon à Manchester City. Avec Staple, je sais pas qui c'est, Staple. Ouais, Martinez, ça va peut-être revenir avec Masserie. Jad Masserie, il a l'air en forme aujourd'hui, Masri. On Va trouver Rulio César. Rulio César. Oh oui pour Nelson, c'est but. Voilà, il se rattrape, 17e but de sa saison. Let's go le 2-0. Vamos, euh, j'ai quelqu'un pour le remplacer, Julio César, hein. Paradikov, je peux pas, il est blessé. Euh, ah bah, Laït, oui, bah oui Laït, il peut jouer des deux côtés. Donc, on va faire ce petit changement déjà parce qu'il est vraiment cramé, au lieu de César. Je voudrais pas qu'il se blesse. Euh, en plus, il vient de faire une passe D. Il peut sortir sous les honneurs. Et 2-0, du coup, pour l'instant, ce serait fou. On serait le deuxième de cette Ligue des Champions. Et ça, vraiment, les gars. C'est une dinguerie, on battrait surtout là, on ferait euh, une, une performance de fou furieux. Hein. Allez, Al-Salem, on t'a pas trop vu jusque-là. Mmh. Awad, 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 Awad. Fabri qui récupère ici, qui envoie un ballon un peu Un peu nulos ce ballon. Hein. Un peu nulos. Oh, c'est récupéré ça par Al-Salem, le but de Nelson. Oh, il est en pleine forme. Il est en pleine forme et Al-Salem, il va faire sa petite passe D. Voilà, ça lui fera les stats au moins parce que là, on l'a pas trop vu jusque-là. Oh, incroyable. Incroyable, incroyable. Kalsalem qui, qui a tout de suite vu. Et on est en train de mettre 3-0 à, à City. On est vraiment en train de mettre 3-0 à Manchester City. Là, C'est ce qui est en train de se faire. Incroyable. Euh, Masri. Ah, C'est là que maintenant j'ai un problème. Bah, tant pis, je fais entrer là. Même s'il est nul. Euh, Fabri, tu vas peut-être pouvoir terminer le match quand même. Ouais, j'ai pas non plus. Allez, je fais entrer Chiachi. Voilà. Je vais lui donner beaucoup de temps de jeu à Chihashi. Hein. Euh, on va essayer de donner beaucoup de temps de jeu aux deux. Hein, Maximovic et à Attention, parce que c'est pas terminé. Hein. Il, va rester, euh... il va rester 10 minutes. On ne sait jamais. C'est City en face. Ah, il faut rester solide. Ok, ok, ok. Ça a été touché par Horace Ce sera un corner en Al Salem parce que j'ai personne en fait là pour remplacer Al-Salem aussi. Je crois que j'ai personne pour remplacer Al-Salem. Il est fatigué, mais je crois que tu vas devoir terminer le match. Hein. Ah, Ludovic là qui passera pas. Écoutez, on va quand même gagner du temps, même si à y a 3-0. C'est City, je préfère gagner du temps. Et Al Salem. Ah si, j'ai Yensen Oui, oui, du coup, c'est bon. Je fais rentrer Yensen. Al-Salem, je le sors. Et là, je prends pas de risque. Je fais rentrer Nicolas Jacob. Tiens. Voilà, attention ici. Oh là là, Elliot qui va pas marquer, heureusement. Heureusement, faudrait pas les relancer euh... même en... en fin de match. On va faire l'exploit, les gars hein moi j'applaudis mon équipe, hein. on va aller le faire, cet exploit d'aller battre Manchester City et de quelle manière Et de quelle manière, et de quelle manière Allez Jacob avec Viala, oh le petit Viala, oui, bah forcément, hein, il pue sa mère lui, euh, il est là juste pour, euh, pour remplacer Masri, pour éviter, euh, éviter une blessure de, de, de notre jade Masri national. Qu'est-ce qu'il va faire, Trubin là il ne veut pas faire une petite erreur. Cocanchelli, hein, très très fort Lui aussi, on était dessus. Il hein. y a beaucoup de joueurs, on était dessus, ils ont fini à City quand même. Hein. Ouais, Erling Haaland, Ertunga avec Rodrigo, Erling Haaland C'est quoi ce missile C'est quoi ce missile Erling Haaland qui marque son 19ème but de sa saison. Et, et 3-1, du coup. 3-1, mais je pense que c'est trop tard, ils ne peuvent pas revenir là. Ils ne peuvent pas revenir. On aura pris un petit but quand même. Mais c'est une belle victoire contre Manchester City pour terminer cet épisode, les gars, en beauté. Oh là 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 et, Du coup, les gars, il faut que je fasse un petit calcul. Genre, on va féliciter tout le monde. Euh, ouais, on fait un petit calcul parce que là, ce match-là, il, il va être très dur à l'extérieur. D'aller le gagner, ce serait fou. Euh, Nelson, Nelson, le doublé, hein. c'est bien, c'est bien, contre Manchester City, c'est très, très bien. Euh, le petit calcul, c'est juste combien de victoires d'affilée là euh, On a perdu contre Lyon. Ah, oh, si on n'avait pas perdu contre Lyon. Voilà, oh, série de victoires de fou euh, Du coup, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah, c'était la dixième, voilà. Dixième victoire de toute compétition confondue. On a atteint un petit chiffre rond, je sais pas si on arrivera à faire encore une victoire contre Paris, ce sera compliqué, mais en tout cas ce sera demain. Allez, en attendant moi les amis, je vous fais des bisous et je vous dis bye les gens.